Bonjour mon ami. Te préoccupes-tu des apparences et de ce que les autres peuvent dire? Nous cherchons tous, dans une certaine mesure, à être acceptés par les gens qui nous entourent. L'apparence semble prendre de plus en plus d'importance dans ce monde. De nombreuses personnes, alors qu'elles sont en train de souffrir intérieurement, peuvent se faire un selfie avec leur plus beau sourire et le poster sur les réseaux sociaux pour donner l'impression que tout va bien. As-tu déjà fait cela? Saül était le premier roi d'Israël. Son apparence, tout comme son charme, était extraordinaire. Il était le plus grand du peuple. Il avait été choisi par Dieu, il avait été oint par le prophète Samuel, il avait même prophétisé. Cependant, Saül avait peur de ce que les gens pouvaient dire de lui et c'est ce qui l'a conduit à prendre de très mauvaises décisions. Un jour, lorsqu'il a dû faire face à une confrontation difficile avec le prophète, il n'a pu que lui répondre: J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 30. Son cœur était tellement aveuglé par la peur et les apparences qu'il a fini par perdre sa propre destinée. Il est mort vaincu et tourmenté, loin du plan que Dieu avait pour lui. Mon ami, la peur et les apparences peuvent détruire la destinée que Dieu a en réserve pour toi. Aujourd'hui, que tes yeux soient fixés sur celui qui est réellement important, Dieu, et que tu puisses tout percevoir à travers lui. Veux-tu prier avec moi? Seigneur, aide-moi à ne pas me préoccuper autant de ce que les autres disent de moi. Aide-moi face à la peur de mes problèmes et conduis-moi à ne dépendre que de ce que toi, tu me dis. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Tu es ma priorité. Merci, parce qu'en toi, la peur et l'insécurité disparaissent. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mige. Tu aimerais te sentir plus proche de Dieu? J'aimerais t'encourager pendant les 7 prochains jours par la prière. Tu peux télécharger gratuitement le livre 7 prières pour mieux te connecter avec Dieu. Ce guide audiovisuel t'aidera à activer ta relation avec Dieu et apprendre à écouter sa voix au quotidien. Tu peux le télécharger en cliquant sur unmiraclechaquejour.net. Et ne l'oublie jamais, tu es un miracle.